La mort est un des grands mystères de notre vie. Si certains y voient la fin de toute chose, d'autres pensent qu'il s'agit d'un passage vers un autre monde. Comment se préparer à cet inconnu? Pour y répondre, nous avons rencontré des médecins et des soignants qui côtoient quotidiennement la mort. La mort est un tabou, ça fait peur, et on préfère ne pas en entendre parler. Les phénomènes sont beaucoup plus vastes que juste un corps qui meurt. Les phénomènes aux frontières de la mort nous apportent de précieuses indications. Pour le mourant, dans sa préparation au passage, il y a 5 étapes majeures. Comment accompagner un proche? Il est très important que la famille ait été préparée autant que le patient. Cette souffrance, si elle est accompagnée, elle prend un autre sens. Et après la mort, peut-on appréhender différemment le deuil? J'ai senti une présence qui partait de ce corps. Nous avons rencontré des personnes qui ont la capacité de communiquer avec les défunts. Ce sont les médiums. Ils font désormais l'objet d'études scientifiques. Qu'ont-ils à nous apprendre sur l'après? Comment se préparer au moment ultime? Et si la mort n'était qu'un passage?